La rue de la Reine Bérangère, de retour au XVIIe siècle. Le temps d'une journée, cette ruelle du Mans sert de décor au tournage du film Les Chèvres, une comédie d'époque réalisée par Fred Cavaillé avec Danny Boone au casting. Au fil des heures, l'unique scène tournée ici est rejouée en boucle. C'est une scène de déambulation avec deux personnages. Voilà, c'est une scène de dialogue entre deux personnages qui marchent dans une rue. Et donc l'idée, c'est que en fait, ces deux personnages marchent dans les rues de Paris à l'époque. Et donc il y a de l'agitation, il y a des vendeurs de peau, il y a des vendeurs d'eau, enfin il y a plein de choses quoi. 150 figurants ont été recrutés au Mans pour incarner tous ces vendeurs et rendre ainsi plus vivant ce décor de marché de la Renaissance. La plupart d'entre eux sont arrivés aux aurores pour les séances d'habillage. Je suis un passant bourgeois et je me déplace à côté de, dans le départ où Danny Boone démarre. Quoi. Et voilà, c'est juste un petit trajet à faire. Quoi. On vous verra dans le film alors? J'espère, je suis là pour ça. Je fais ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire je suis très sérieux, je marche à la vitesse demandée et je ne souris pas bêtement à n'importe qui dans la rue. Dès qu'il y a action, il faut faire le poisson, ils appellent ça, faut rien dire. Quoi. On est censé parler, mais... voilà. C'est pour ça qu'il y a le chef qui nous surveille là derrière. Le film doit sortir au cinéma en février 2024. La rue de la Reine Bérangère, elle, retrouvera sa tranquillité dès ce mardi.